Sympa le quartier. Oh merde. Je vais prendre Le journal qui est sur la poitrine et j'ai chopé le pistolet. Bon bah je suis là, hein, au cas où ça s'est pas remarqué, je suis là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Utiliser le dessin pour trouver la planque. Je demande si je peux taper avec ça en zombie. On va essayer là sur celui-là. Il s'en fout. Ah non, tu veux. Approche. Alors toi. Ah. C'est un bon défouloir. Dude, toi t'es foutu, toi. Ah. Kids, they're all cut up. The wounds need to heal. J'ai eu un doute l'espace d'un instant. T'as besoin de bandages? Just ask him for a couple of bandages. That's all. Je dois en avoir des sales par là. Même pas. Désolé, j'ai pas. High five. Sois contente que je t'ai pas mis une bouteille dans la tête. Vraiment, en fait, le fait qu'elle était vachement clean, qu'elle se tenait droite, et qu'elle faisait pas de bruit. Le chieur, quoi. Ça, c'est la solution pour pas trop abîmer mon stuff quand je trouve des bouteilles maintenant. Oula. Sympa, ça. Et t'es qui, toi? Everyone is hungry, but I need this more than you right now, okay? Okay. Give me some food, and no one gets hurt. Okay. Tiens. I'm not gonna ask you again. You cooperated, and that was wise. No need for anyone to die over stuff. Rock, you're in my space. On ne me braque pas comme ça. Merci. T'as qu'à marcher dans la rue, t'en trouveras des boîtes de thon. J'aime bien, empêche le. Ah, elle était immobile avec le couteau dans la tête. Et c'est limite, c'est. Oh non, j'ai un couteau dans la tête. Mon couteau va casser. C'est l'occasion de tester. Allez, des petites baffes. Ça marche pas. Par contre, mon perso s'est épuisé, j'ai l'impression. Ouais, en fait, il s'épuise quand il le retient. Allez, plus de couteaux. Je peux jeter des chaussures à la gueule des ennemis, toujours ça. Oh bah voilà, ça c'est simple. Approche-toi, approche. On a connu plus efficace. Mais la meuf, plutôt que braquer des gens, voilà, elle avait juste à venir là. C'est quoi ça? Yes, je pourrais faire des gombos. Ah, des bandages. Ils sont sales. Je vais les donner à la meuf là du début. Ok, bon, elle était où là? Celle que j'ai failli tuer au début. Elle était juste par là, je crois. Oh,
Ouais, c'est ça. Ok. Tu veux une chaussure ou sinon j'ai ça si tu veux. Attends, ils sont pas sous les bras, ils sont là. Tiens. Thank you. From the bottom of our hearts, I want you to have this. Pas mal. En fait, t'aurais pu faire bien plus de choses avec ça. La bouteille! Mais arrête de te taper tout ce que tu croises. En fait, elle est partie en courant en mode. Arrête de me taper. Il reste un quart de temps. Très bien. Complet. Merde. Zombies, beware. Oh la salope! Ça m'apprendra à faire le con. Dégage! Oh merde! Alors vous. Sérieusement, mon bras là, j'arrive plus à. Récupère gros! Oh merde! Putain! Faut plus que je fasse le con! Oh bordel! Ah, c'est fini ça. Ah, déjà que j'avais pas beaucoup d'endurance, c'est pour ça que je suis vite tombé en fait. Waouh. Et bah. Bon. Ouais, c'est moi qui en aurais bien besoin là, des bandages. On va rentrer à la base parce que de toute façon, a priori, c'est pas du tout l'objectif de venir ici. Au moins, on peut dire que. Ça a l'avantage de m'aider dans les ressources. Bon. Qu'est-ce que j'ai foiré dans tout ça là? Memorial Lane, se rendre à la circonscription. Ah ouais, en fait, j'étais pas du tout. Moi, je suis allé à la vieille ville en me disant, bah là, c'est un objectif. Mais non, pas du tout. La circonscription, j'ai pas encore accès. Donc il faut que je fasse Memorial Lane d'abord. Ok. Bon bah... Je ferai Memorial Lane et après j'irai pour aider. Donc je vais faire la quête plutôt du gars de la radio maintenant. Ouais, tu m'étonnes que j'ai rien trouvé. Bandage stérile, qu'est-ce qu'il me faut? Antiseptique, lien, adhésif. Ok, deux bandages. Arc laminé, silencieux mais meurtrier. Bah oui, je dis oui. Qu'est-ce qu'il me faut pour le faire? Bah j'ai tout, fabriqué. Yes, j'ai déjà 10 flèches, c'est vrai. Et du coup, l'étape d'après ce sera faire des flèches. Loot flèche. Il me faut des chutes de bois. Ok. Pas mal. Bon. Ça commence à être bien équipé tout ça. Ouais, j'en ai plein. Allez. Ok. Bon, et bah... C'est parti, je vais juste... j'ai déjà un pistolet sur moi. Donc... pour cette mission, je vais laisser ce genre de choses là. J'ai les bandages pour la santé. Ça me va. J'y pense tout juste, mais c'est vrai que au fur et à mesure que les jours défilent, je vais trouver de moins en moins de provisions au final.
faut pas trop traîner à avancer dans le jeu. Allez. Oh! Maintenant, je peux aller à plein d'endroits. Je sais pas comment ça s'explique, mais... Bon, allez. Memorial Lane. On va faire la mission du gars. Ok. Oh, ça je dis oui. Alors, avant d'aller plus loin. Cette quête là. Dans une maison rouge contrôlée par la tour. Ah, c'est parti. Avant ça, j'y pense tout juste, mais. Oh là là, c'est pas toujours bien fait les contrôles là-dessus. La maison rouge, bah c'est au bout de la rue à gauche. Théoriquement. Bon, après, ça veut rien dire la carte. Ça se trouve, c'est celle-là. On va voir. Je peux lui mettre un gros coup derrière la tête. Oh ouais. Bon, ok, ça la repousse juste, elle s'en fout. Bon, on va pas faire comme Half-Life Alyx où on se trimballait tout le temps des... Des trucs comme ça là. Bonjour. J'imagine que c'est pas ouvert. No one gets inside, strict orders. Okay. You have a problem with that, see Jeff, he's around the corner. Ok, ça c'est bien ça. Je devrais peut-être pas y aller, mais... Ça craint un peu, je pense. These are people who have chosen to be. You got nerve rolling in here uninvited. Ouais, ouais. Don't mean to intrude. We don't need strays poking around right now. We have enough problems to deal with. I prefer to think of myself as a free agent, open to all opportunities. You know what? Yeah, you might prove useful. My brother is in some deep shit. Pack of reclaimed scum snatched him. Anthony's a good kid, bit dim, but he doesn't deserve whatever those freaks have in store. We can't get anywhere near where they're holed up. Light Blue House across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to stroll right in. After that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim them. I like to know what I'm up against ahead of time. What are their numbers exactly? We've seen as many as 4 on the second floor, but you never know. They multiply like rats. Sounds like I can be of service. Get to it then. Knowing how those savages operate, he might not have much time before they execute him. Très bien. Anthony. Je m'y attelle. He should have known better. Une maison bleue, tu disais. Je me demande c'est laquelle. Ça va être mon premier contact. Donc je disais, ça va être mon premier contact avec les types masqués là. Ah.
J'ai les sous-titres, mais j'entends pas celui qui parle. Oh merde, mon couteau il est rouge. Il est retenu par une porte. Loser. C'est peut-être pas la meilleure solution d'entrer par la porte d'entrée. On va voir si on a un autre passage. Non, juste là. Y'a pas un petit passage en hauteur là ? Si. Merde. J'ai rien d'autre. Non, j'ai mon pistolet et mon arc. Et bien entendu, j'ai ça. Oh là. L'emmerdeur quoi. Tu ne mourras pas, je suis trop haut. Est-ce que je pourrais ramasser le bout de bois d'ici? Non. Merde. Allez là, attrape la flèche. Pas très bien fait l'arc, je trouve. Oh l'enculé, dernière flèche. Oh, allez, on sort le flingue. Il est pas très précis, je trouve, mais c'est mieux que rien. C'est certainement mieux que l'arc. Allez, pointe-toi, gros. Alors, c'est l'heure de. Ouais, ça je dis ouais, ça je veux bien. Oh, sympa là. Petite biche. Ah, il est arrivé. Il est arrivé jusqu'à son frère. Bah, ça vient squatter chez les gens quoi. Pas trop le choix. La bouteille peut servir encore une fois. Bon, je vais fouiller en bas, puis après j'y vais. Ici. Deux. Je peux pas l'attraper, c'est pour ça. Je faisais trop de bruit. Fouiller ici, on y va. C'est cette maison là. Ouais. Occupe-toi du zombie, gros. Je compte sur toi. Merci. I was skeptical, but you pulled it off. I didn't think I was ever gonna see my little bro again. You have my thanks.
Anything you can scrounge up in that house is yours, as promised. No hassle from us. You did a good thing today. Ok, bah cool. You ain't gonna last long. You've given me a second chance. Thank you. I promise to make the most of it. Ok, le corps du régulateur de pompe et le cadran du... Je dois assembler le régulateur et le cadran. Donc ils ont ça ici. C'est moi, tranquille. Je me demande s'il se passe quoi s'il y a la horde et que je suis caché dans ce bâtiment là ici. Avec les gars. Bon, en théorie, une pompe serait plutôt en sous-sol, non? J'avais oublié que je suis full. Faut que je fasse du tri. Il y a des petits problèmes dans ce jeu. Mais arrête de te faire mal avec la chaise. Attends, regarde, je t'aide, j'enlève la chaise. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est moi. Ça c'est la porte pour sortir. Je sais pas où elle est la pompe. Oh merde, c'est plus fermé. Si, ça va. Bon, on va monter là-haut. S'il y a un étage. J'aimerais passer, monsieur. Pardon. Ah, une pièce violette, là. Yes! Waouh! Full, full. Je me suis double bandage en même temps. Ok, bon. Et bah, waouh. Ça se recycle comment ça? Bâton, méta. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas foufou. Parler à Casey. Donc, ensuite, ce sera de nouveau au micro. Pour lui dire que j'ai ce qu'il voulait. C'est quoi ces disques? Ouais. J'ai déjà une arme, non? À droite. Non. On met la bouteille. Je me demande si je suis blessé si je fais ça. Visiblement. Ça, c'était pas voulu, ça. Approche-toi. Je recule un peu. Sympa. Bon. En plus, il reste très peu de temps avant la horde. C'est vraiment le moment d'y aller, là. Ah.
Ils veulent dire la maison bleue et la maison rouge. Bon. Allez. You there, Casey? Come in. Yeah, yeah, I'm here. Wow, you're back. Did you get it? You're surprised? You didn't think I was gonna come through, did you? Well, guess what? I did. I didn't know. It's insane out there. All kinds of shit could have gone wrong. But hey, this is great. Finally, some progress. It's a relief. Okay, let me find the manual for that thing and we can get it calibrated. You're stalling, Casey. I want to hear what you got on the reserve. Not doing anything until you hold up your end. We clear? Yeah, yes. All clear. Okay. The reserve is real. But you already knew that, right? What you don't know is that I am in it. It's an old military bunker built in the 50s or 60s. Right after the flood, the National Guard used it as a staging area to distribute disaster relief supplies. But once the dead started walking and things really went to shit, I had no choice but to get inside and hunker down. I thought I was safe for a little while, but now I'm fucked. The flood water up top was too much for the reserve's pump system. It malfunctioned, and now the whole place is on lockdown. I'm stuck in the comm room. I'm running out of time. I need to get out of here, soon. God, I can't wait to see the sky again. I've been working with someone named May. She claims to have a key to the reserve. You know anything about this? If your May is May Benoit, then yeah, I've heard of her. Tower is always tossing her name around on the airwaves. They're really after her ass. Consider her a major threat. I don't know anything about a key to the reserve, though. I'll do some research. If I discover anything, I'll let you know. Bah oui, il a dit qu'il était seul. Rumors are all over the place. What exactly is inside the reserve? Most of the rumors are true. Food, meds, tons of it. I mean, the entire hall was meant to help tens of thousands of people in the area after the flood. And there's a bunch of guns, ammo, and gear for the troops that were meant to distribute it. All military grade, perfect condition. Problem is, I can't get to any of it. The whole bunker is locked down because of the floodwaters. You were the only one to make it inside? Well, no. There were others, but they didn't stay. They had to leave. If the bunker was safe, why did they leave? Like I said, they left. They had to take care of something, okay? Nothing else to say about it. What's the rush to get out of there? Starvation, for one. I might have a couple weeks left of scraps down here. But none of that is gonna matter if the flood water sitting on top of this place breaks through. The comm room is filling up slowly right now, but it's only a matter of time before the ceiling collapses. Starvation, crushed, or drowned. Pick your poison, right? Écrasé, c'est mieux. If you get crushed, at least it would be quick, right? Yeah, well, with your help, I'm hoping to avoid all of it. Fuck, I'd rather take my chances on the surface with 100 walkers coming at me. At least I'd have a fighting chance. Look, tourist, I'm not asking you to do this out of the kindness of your heart. I mean, there's clearly something in it for you, big time. If the pumps get repaired, not only will I get out, but the supply rooms will all open up. All those disaster relief supplies, untouched. Not to mention enough weaponry and gear to arm multiple platoons. C'est trop beau pour être vrai. Il veut nous la mettre en l'envers. All for you to do with as you please. And for me, a fresh start. Some fresh fucking air. You paint a pretty picture, but it sounds too good to be true. Hey, I get it. I could totally be full of shit. But one thing I know, no one else can offer you what I can. Without me, the reserve is gonna remain buried. Forever. If you want the reserve, you're gonna have to work with me. It's a chance you have to take. I'm willing to take the risk. Oh, fantastic. You won't regret it. Well, it's been a long night, but I'm too wired to sleep. I'm gonna turn this place upside down until I find the manual. You should get some rest, though. I'll contact you in the morning.
Good night, tourist. Good night, Casey. Bon, j'ai décidé de plus montrer maintenant quand je recycle les matériaux, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Alors, chute de bois, je n'ai pas assez pour les flèches. Donc l'arc, je vais pouvoir le laisser ici, hein, clairement. Je vais utiliser la bouteille d'abord, mais après j'utiliserai le couteau. Ouais, c'est pas ce qui me manque tout ça. J'ai combien de munitions au fait? J'en ai encore 22, c'est beaucoup. Hein. Ok, petit à petit j'augmente les ateliers tout ça, plus tard je pense que j'en aurai vraiment besoin. Du coup, là il me faut de la santé en priorité. Il marche encore celui-là.